Bonjour à tous, nous allons pouvoir décorer les pages de notre mini-album ainsi que sa couverture. Il nous reste beaucoup d'éléments décoratifs et nous avons l'embarras du choix. Pour chacune des pages, je vais m'amuser à sélectionner des embellissements, les positionner, les changer si cela me semble nécessaire et parfois même y revenir si je n'arrive pas à en être satisfaite. Pour cette page, j'ai choisi ce tableau noir que je vais rehausser de fleurs en arrière-plan et d'une jolie lanterne. Ici, je viens ajouter une petite plaque que je ne vais coller que dans le bord afin de pouvoir y glisser une photo ou un tag. Je fais la même chose avec ce beau chapeau fleuri. Sur cette page, je vais coller un papier de fond. Je marque des repères directement au crayon et je découpe. Je vais aussi arrondir mes angles à la perforatrice. Quand ma composition me plaît, je peux enfin coller. Je viens décorer ma cascade en découpant du papier de fond et en arrondissant ses angles. J'ajouterai d'autres décorations par-dessus.
L'avantage d'un bloc de papier, c'est que tout y est assorti. Il sera difficile de faire une faute de goût. Tous les éléments se marient ensemble. Je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture avec du cardstock blanc. Je pense à bien marquer les plis avec un pliloir. Quand tout est bien sec, je colle ma reliure en U en prenant soin de bien la centrer. Je vais laisser sécher et pendant ce temps, j'attaque la couverture de mon mini-album.
Je ne vous cache pas que cette fenêtre a été décisive quant à l'achat de ce blog. Il lui fallait une place de choix. Quoi de mieux qu'en couverture de l'album ? Comme pour les pages de mon mini-album, je n'hésite pas à bouger mes différents éléments jusqu'à ce que leur disposition me plaise. Quand je suis satisfaite, je peux enfin coller. Ma fenêtre sera collée à l'aide de mousse 3D. Je vais pouvoir coller mes pages sur la reliure.
je vais créer une petite poche avec une chute de notre papier. Je la décore avec une petite bordure et quelques petits éléments décoratifs de notre bloc. À la fin de notre mini-album, je vais réaliser une enveloppe sur mesure. Rien de bien compliqué comme vous pouvez le voir. Quelques plis, le rabat est découpé en pointe, l'enveloppe sera collée à l'intérieur de notre couverture, prête à être agrémentée d'embellissements. Je vais habiller le rabat d'une chute de notre papier.
Il nous reste assez de papier et de chute pour réaliser des tags et autres cartes pour coller nos photos. Je décide de décrocher les embellissements restants pour les avoir tous à portée de main et me faciliter la tâche. Je découpe des cartes dans nos restes de papier que j'agrémente d'un embellissement à la façon d'un onglet. Je découpe un petit papier que je viens glisser dans notre cadre et je mets aussi une petite fleur à la façon d'un onglet pour pouvoir le ressortir.
Je vais venir coller des fleurs de papier de chez Action pour donner plus de relief à ma couverture. Et pour plus de détails, j'ai découpé quelques feuillages avec une matrice. J'ajoute quelques petits embellissements de notre bloc. Voilà, nous sommes arrivés ensemble à la fin de notre mini-album. Réalisé uniquement avec nos deux blocs de papier et quelques fleurs qui sont facultatives. À ce stade, vous pouvez être fier de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi sa fabrication et d'y avoir participé. N'hésitez pas, partagez votre mini-album sur les réseaux sociaux, cela me fera très plaisir de les voir. Vous pouvez enfin y ajouter vos photos. Si vous souhaitez que nous réalisions cette étape ensemble, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce, cela m'encourage. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.